Bonsoir et à toutes et à tous. Merci pour votre présence encore devant votre petit écran pour suivre ces cours. La fois dernière, on a vu plusieurs. On a vu comment changer les polices caractères, la taille d'un texte. Comment mettre un texte en surbrillance, comment mettre un texte en gras, en soulignement, en italique. Aujourd'hui, on va voir un autre cours. Et ce cours concerne la recherche ou le remplacement d'un mot dans un texte. Comment peut-on rechercher un mot dans un texte? Comment peut-on rechercher un mot dans un texte? Pour rechercher un mot dans un texte, il faut cliquez sur Homme et deuxième chose à faire, après avoir cliqué sur Homme, on va dans la partie Editing, on clique sur Rechercher ou Find. Rechercher ou Find. Et troisième chose à faire, il y aura une boîte de dialogue qui s'affichera. Il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche. Et dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, on doit cliquer sur. Alors, dans cette boîte de dialogue, il y a deux parties importantes. La première partie, c'est la case Find What. C'est la case Find What. Et dans la case Find What, de la boîte de dialogue, on doit écrire le mot qu'on veut retrouver dans le texte. Par exemple, si on a un document d'une cinquantaine de pages, on sait qu'on a un mot dans le document, on veut rechercher le mot dans le document. On ne veut pas défiler toutes les pages du document pour pouvoir retrouver le mot. Eh bien, on n'a qu'à rechercher le mot dans le texte. Eh bien, c'est pourquoi on va voir comment peut-on rechercher un mot dans un texte. Pour rechercher ce mot dans le texte, ce n'est pas du tout difficile, c'est très très facile. Eh bien, on va voir comment peut-on rechercher un mot dans un texte. Maintenant, pour le faire, on va le faire pratiquement et après avoir dactylographié le mot à rechercher, il faut cliquer sur Find Next. Et bien maintenant, on va le faire pratiquement. Regardez ici comment va-t-on le faire. Quel est le mot à rechercher? Il y en a beaucoup. On peut chercher n'importe quel mot qu'on veut. Et bien, pour le faire, on va dans Menu Home, puis on ira ici dans la partie Editing, ici, dans cette partie, c'est la partie Editing. On clique sur Find. Vous voyez? Find. On clique sur Find. Et ici, voilà Find. Dans cette partie-là, Find what? Elle dit, quel mot recherchez-vous? Quel mot que vous voulez rechercher? Quel mot que vous voulez rechercher? Quel mot recherchez-vous? Eh bien, on doit dactylographier le mot à rechercher. Je sais que dans le texte, il y a file name. Prenons par exemple que je veux retrouver file name. Je tape file name. Je dactylographie file name. Vous voyez? Et après avoir dactylographié file name, je coche match case. Match case. Et après quoi, je clique sur file next. Il dit Word has finished changing the document. Donc, laisse-moi voir. On n'a pas trouvé file name. Il faut vérifier est-ce que le mot est bien écrit. Et je dois cliquer Match Wall Document et je clique à nouveau. Si le mot est mal écrit, on ne va pas le retrouver. Eh bien, on va rechercher dialogue. Est-ce qu'il y a dialogue dans le texte? Je crois bien qu'il y a dialogue dans le texte. Et on va rechercher dialogue. Je dactylographie dialogue, puis je clique sur Find Next. Voilà. Voilà que WordPad a sélectionné le mot. Il a sélectionné le mot afin qu'on puisse voir où se trouve le mot. Prenons par exemple que le mot, si le mot était jusqu'à la fin, il a terminé jusqu'à la fin, on monte ici, on va rechercher le mot. Encore, on va rechercher un autre mot. On clique dans la partie Editing, File. On clique ici et on dactylographie terminé, puisqu'il a terminé dans le texte au bas. Et on clique sur Find Next. Vous voyez? Donc, WordPad a descendu jusqu'en bas
et nous sélectionne terminé. Vous voyez? Donc c'est ainsi qu'on peut rechercher un mot dans un texte. Donc vous voyez que c'est pas du tout difficile, c'est facile à rechercher un mot dans un texte. Pour le rechercher, on clique sur Find dans la partie Editing et dans cette partie-là, on écrit le mot à rechercher, le mot qu'on veut trouver. Par exemple, WordPad, puis on clique sur Find Next. Voilà, ça c'était jusqu'en haut et on a vu que ça c'est monté jusqu'en haut pour nous montrer, pour nous sélectionner le mot WordPad. Donc c'est facile de rechercher un mot dans un texte, mes chers étudiants et étudiantes. Eh bien, merci encore. Laisse-moi zoomer ça un peu pour que vous puissiez le voir. La première chose à faire, c'est de cliquer sur menu Home. Deuxième chose, c'est cliquer sur Editing. Dans la partie Editing, cliquez sur Find ou bien Rechercher. Et il y aura une petite boîte de dialogue qui s'affichera. Et dans cette petite boîte de dialogue, il y a une case qui porte le nom de Find What. On dactylographie le mot à rechercher dans la case Find What. Puis on clique sur Find Next. Eh bien, merci encore d'avoir suivi ce cours et on se donne rendez-vous pour d'autres cours similaires. Au revoir et portez-vous bien.